Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur un achat que j'ai fait aujourd'hui à Leroy Merlin pour moins de 10 euros. Hein, je ne sais plus le prix exact, je crois que c'est 7 euros. C'est pour renforcer la sécurité de votre habitation et en plus particulier la sécurité de vos volets. Vos volets d'habitation. Moi, j'ai des volets en bois. Et là c'est fait je pense pour des volets en bois, hein. J'ai pas vu que c'était pour des volets en plastique. Donc moi c'est un kit que j'ai acheté, voilà l'emballage. Voilà, barre de sécurité renforcée pour volets. Qu'est-ce qu'ils disent? Barre en fer plein, carré de 16 mm, 4 points. Et anti-soulevement, faible encombrement. Le plus, ce qui est vendeur, ouais, voilà, menuiserie bois, visserie fournie et gabarit fourni. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre sur le packaging? 2 sur 3 pour la sécurité. Déjà, le premier truc qui est bien, c'est... il est un peu sale, je suis désolé. C'est qu'il y a un gabarit de pose. Voilà, ça permet de bien le positionner sur votre volet. Bon, il faut le fixer avec du scotch, hein, voilà. Et pour ce modèle, les vis que je vais vous montrer après avec un écrou 10, c'est en haut, et les vis bois, hein, cruciformes, sont en bas. Bon, de toute façon, il n'y a rien de compliqué. Si j'y suis arrivé, tout le monde doit y arriver. C'est fermé avec le verrouillage fait avec cette grosse barre carrée, hein, de 16 mm. Il y a bien sûr un sens pour l'enquiller. Voilà. Voilà, elle est comme ça posée contre le volet. C'est pour ça que pour que ce soit plus rapide pour mon épouse, il faut tirer, lever. Voilà. Pour le montage sur le volet, bon voilà, volet gauche, mais après j'aurai plus trop de lumière. Voilà. Volet gauche, ici un embout, je vais pas dire carré, hein, mais enfin c'est un U mais qui fait un carré avec le bois du volet. Une première fixation avec une tige filetée, un écrou 10. Moi, ce que je vous conseille, parce que ça c'est pas fourni, de rajouter une rondelle plate. Et en bas, fixé avec là, une vis cruciforme. Hein. On peut le faire à la main, j'ai fait à la visseuse. Et ça, c'est le côté pour l'extrémité gauche. L'extrémité droite, barre de support du volet. Hein. C'est de la ferraille, pareil, même système de fixation. Et l'inverse, côté droit. Voilà le U qui fait un carré par rapport au volet. Même système, hein, rajouter une rondelle. Ici la vis. J'ai même été plus, je vais pas dire plus vicieux, mais pour éviter que ça bouge à chaque fois, j'ai rajouté du frein filet faible ici. Voilà, comme ça, j'ai bien serré mon écrou. J'ai bien serré mon écrou et j'ai rajouté du frein filet faible. Pour une question aussi de... comment ça s'appelle, d'infiltration d'eau, si vous voulez, parce qu'il faut percer le volet avec un foret de 7 mm, hein, mais tout est marqué sur le packaging. Quand le volet était percé, il y avait un trou dans le volet, j'ai pris un coton-tige et de la lasure et j'ai bourré dans le trou comme ça, pour une question, pour rendre un peu plus étanche, hein, le truc. Mais bon, ça c'est moi qui l'ai fait. Et le deuxième patte de support, côté volet droit, pareil, toujours rondelle. Hein. Je vois pas pourquoi, mais un écrou, il n'est pas une rondelle. Donc, dans le montage, je vais dire maximum que j'ai dû mettre, c'est une vingtaine de minutes. Hein, pour piger les vis, le temps de bien poser le gabarit. Alors, j'étais obligé de bien... j'ai pas avoir de lumière. Je veux dire, si j'ai dû bien poser le gabarit par rapport au je veux dire, si je le mets comme ça, au trou,
au trou et à l'emplacement des trous par rapport à la planche du volet en fait. Parce qu'au début, j'avais mis le gabarit pile poil au milieu du volet et j'avais des vis qui arrivaient ici, là, dans la rainure. Donc, il faut bien regarder où on place, où les vis tombent hein, par rapport aux rainures. Hein. Là, si vous voyez, elle est juste en bord de rainure. C'est pour ça, elle est là. J'aurais encore plus décalé. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, si je décale, ça va décaler là, il n'y a pas de problème. Mais ça va décaler ici et ça va me foutre dans la rainure. Donc il faut bien regarder lors du posage ce qu'on fait. L'extérieur, bon, relativement discret. Hein. Je sais pas si je peux filmer comme ça. Voilà. Bon, j'ai un peu bourriné sur les vis. Hein. Je vais remettre un petit coup de l'asure pour l'étanchéité. Et voilà, une vingtaine de minutes pour le faire. Alors, j'ai remarqué que bon, mes volets sont pas récents. Hein. Le bois, il travaille et voilà. Donc, ça fait une petite trace hein, le temps que ça se mette en place. Donc, après, très simple, je vais fermer le volet. Voilà, ça c'est le volet fermé normal. Hein. Avec un système d'anti-soulèvement ici, hein, voilà, on ne peut pas crocheter le truc. Après, en question rigidité, bon, voilà, c'est un volet normal. Et ben, si je mets la barre, alors bon, après, c'est une technique, hein, il faut bien le. Puis, voilà, une main en plus, psychopathe. Voilà. On l'enquille en premier, soit de ce côté-là ou soit de ce côté-là. On rentre à fond, on descend et voilà. Et on pousse, voilà. Et on pousse pour verrouiller. Alors je sais pas si ça rendra bien à la vidéo. Voilà. Bon, je peux vous dire que le volet il bouge pas. Hein. Donc petit achat de 7 euros. Qui permet, voilà, on déverrouille, on lève et on vire la barre. Alors ça c'est beaucoup pour des absences ou pour voilà, juste pour une question de sécurisation du volet. C'est sûr que si vous avez une maison avec 24 fenêtres, s'il faut mettre à chaque fois des barres comme ça va mettre 15 plombes. Une maison normale qui a après qui a, je sais pas, 8 fenêtres, ça fait 8 barres. Quand vous partez, il y a 8 barres à mettre. Quand vous partez en vacances, il n'y a rien d'extraordinaire. Si ça peut retarder votre effraction, c'est le but. Voilà. C'est comme je dis, entre celui qui fait et celui qui fait rien, il y a un fossé. Voilà. Donc moi, je fais un minimum pour sécuriser ma maison. Ça coûte 7 euros, je voulais essayer, ça a l'air de tenir, voilà, c'est le but. Donc voilà, petite sécurisation de ces volets bois pour pas trop cher, hein, je vais dire, tout le système, il y en a pour entre 7 et 8 euros. Je vous remontre le packaging acheté à Leroy Merlin. Voilà, mais il y a plusieurs prix, hein, c'est entre 8 et 10 euros. Moi, j'ai pris celui-là avec bien la mention menuiserie bois et visserie gabarit fourni. Voilà, sur ce, je vous laisse. Merci de regarder mes vidéos. Merci pour vos commentaires. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens abonnés. Et faites attention à vous, à votre famille, à vos enfants, petits-enfants, à vos animaux domestiques. Pardon. Et à tout ce qui vous est cher, comme votre maison. Votre appartement, que vous soyez propriétaire ou locataire. Sur ce, je vous laisse et à plus sur ma chaîne. Ciao.